Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur cette série hein, pour Digital Nomad, ce type de lifestyle. Et dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler un petit peu de personnalité. Quel type de personnalité? Est-ce qu'il y a plutôt des personnalités qui pourront mieux s'adapter à ce mode de vie-là ou non? Donc, on va voir, en mon sens, hein, c'est bien évidemment subjectif, mais en mon sens, il y a quand même des choses claires qui se dégagent par rapport à ça. N'hésite pas, abonne-toi à la chaîne. Tu peux également mettre des likes sur les vidéos. Je te laisse également en premier lien dans la description mon site web hein, Solutions Digitales qui permet d'avoir un certain nombre de solutions qui sont liées aussi bien à ce type de lifestyle que pour démarrer une activité en ligne. Donc, c'est premier lien dans la description Solutions Digitales. Alors, au niveau de la personnalité, concrètement, bien évidemment, je pense qu'il faut avoir une personnalité qui est un petit peu aventureuse, qu'il faut avoir une personnalité qui est plutôt curieuse, qu'il faut avoir une personnalité qui peut être un petit peu solitaire, tu vois, pouvoir faire des choses seule également, pour pouvoir bien se retrouver dans ce mode de vie-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, si tu es par exemple intéressé par ce type de lifestyle, mais que tu passes tout ton temps à être entouré de personnes. Là, par exemple, là où tu vis, tu passes 24 heures sur 24 à être tout le temps entouré de personnes, tout le temps, tout le temps, tout le temps, des amis, peut-être ça peut être un copain, une copine, des choses comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh bien, le problème qui se pose, c'est que si tu vas dans ce mode de vie-là, tu as des risques de pas forcément te sentir bien. Tu as des risques de pas forcément te sentir bien pour la simple et bonne raison que tu vas toujours être amené à faire des trucs probablement seul. Tu vas toujours être amené à te déplacer, des choses comme ça. Alors après, on peut bien évidemment rencontrer du monde très facilement. Il y a des communautés aussi dans des endroits. Ça veut dire que tu as même des endroits, tu peux trouver des communautés ou des sortes d'hôtels où tu vas trouver que des personnes comme ça. Alors moi, ce n'est pas du tout mon trip, mais pour certaines personnes, ils aiment bien ça. Et tu peux te retrouver au bord d'une plage avec un grand hôtel, avec que des personnes qui font des activités en ligne. C'est également possible. Tu as également des sites web où tu peux aussi t'inscrire et directement rencontrer des gens sur place. Tu as un certain nombre de choses qui peuvent, où tu peux très rapidement rencontrer des personnes. Je parle pas là, je parle pas de locaux, je parle de personnes qui font ce même type d'activité-là. Après, bien évidemment, il y a toute la possibilité de rencontrer des locaux. On est bien d'accord. Ensuite, avoir également quelque chose d'un peu aventureux. Donc, on est bien d'accord en fait que si vous êtes une personne qui ne peut pas supporter de passer simplement 30 minutes seule, qui 30 minutes seule est totalement perdue, ne sait pas quoi faire, se sent profondément mal, on est bien d'accord que ça ne sert à rien, tu ne vas pas pouvoir te retrouver dans ce style de vie-là. Alors, être digital nomade, il y en a également qui font en couple, hein. Je tiens aussi à le préciser, il y a des gens qui ont ce mode de ce lifestyle-là en couple, hein. Il y en a même pas mal qui le font en couple aussi. Donc, c'est un petit peu différent, mais malgré tout, ben, c'est le même style, sauf que ils sont tout simplement, ils fonctionnent en couple. Ensuite, par rapport à ce mode de personnalité, ben, là aussi c'est pareil, il faut être un petit peu curieux, un petit peu aventureux, faut pas avoir peur du moindre truc, il faut avancer, faut se lancer, faut faire tout ça. Donc bien évidemment, si tu aimes ton petit confort aussi bien matériel, si tu aimes ton petit confort de sécurité de l'emploi, si tu aimes ton petit confort d'être un petit peu biberonné dans une sorte de bulle, bah effectivement là c'est pareil, ça sert pas à grand chose, tu vas pas te retrouver dans ce système-là, tu te retrouveras pas dans ce système-là. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être arriver à un aéroport, tu vas peut-être sortir dans la rue et tu vas avoir peur, tu vas marcher dans la rue, tu vas pas vouloir essayer par exemple un restaurant de cuisine locale parce que ah mais je connais pas, ah mais peut-être que ça va être difficile de communiquer, des choses comme ça, et tu vas être un petit peu comme ça et du coup tu vas pas faire grand-chose, tu vas pas profiter. Tu vas avoir peur et tu vas pas te sentir bien. Donc là, c'est pareil, il faut avoir un esprit un petit peu aventureux, pouvoir, tu vois, tu marches dans la rue, des choses comme ça. Moi, par exemple, je fais des blogs, des fois dans la rue, n'importe où. Alors, bien évidemment, ça dépend des endroits. C'est parce qu'en Asie, c'est sécuritaire. Là où je fais mes endroits avec la caméra, bien évidemment, c'est sécuritaire. Donc, ça me pose pas de soucis en termes de sécurité. Par contre, ben, faut quand même, voilà, faut se déplacer, faut marcher seul, par exemple, dans la rue.
vous pouvoir parler comme ça, regarder un petit peu ce qui se passe sans aucun problème. Et effectivement, bah, ce n'est pas accessible à tout le monde de faire ce genre de choses-là également. Donc, il faut avoir un tempérament qui est un peu aventuré, un peu curieux. Alors, pas forcément le plus aventuré possible, mais vraiment pour ne pas avoir des freins quand on est dans des pays étrangers, pour pouvoir déjà dans un premier temps profiter et puis dans un deuxième temps de ne pas avoir peur des choses, de ne pas avoir peur de la vie en fait, de la vie, de ce qui se passe dans les pays. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Après, pareil, hein, le mode de vie, il est bien différent. Donc quand on a ce mode de vie-là, ce qu'il faut savoir également, c'est que chaque journée a le même type d'importance. Chaque journée a le même type d'importance. C'est-à-dire le lundi ou le mardi, ça va être pareil qu'un samedi ou un dimanche. Chaque journée a la même importance. Ce n'est pas comme quand tu es dans un système de salariat ou même d'entrepreneur, mais entrepreneur où tu es sur place. Bah, qu'est-ce que tu vas faire en général? C'est tu vas travailler du lundi au vendredi ou mardi, samedi ou des choses comme ça. Et puis, tu vas avoir ton week-end. Et les journées n'ont pas du tout la même importance. Tu es là, combien de fois tu vois les personnes ou même les jeunes, ils sont là, on est lundi, on est mardi, on est mercredi. Et puis, ils n'arrêtent pas de visualiser qu'est-ce qu'on va faire le week-end. Où est-ce qu'on va aller samedi soir? Quelle est la fête que l'on va faire samedi soir? Ou quel est le repas qu'on va faire le dimanche midi? Tu vois? Et là, vraiment, clairement, tu sépares ta semaine et ton week-end. Et tu n'as pas du tout la même importance au niveau de ce que tu fais. Tu as ta semaine, tu travailles, tu essaies de dormir correctement, te coucher tôt à peu près correctement. Et tu as le week-end où tu fais des choses différemment, tu sors. Tu as même certaines personnes qui sortent le plus possible pour des fois même peut-être oublier la semaine, j'en sais rien. Et effectivement, c'est comme ça. Donc là, c'est pareil. Hein, si tu es dans un système où ce qui est le plus important pour toi, c'est sortir tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, faire le plus de choses possible et puis revenir l'entreprise, par exemple, le lundi matin et puis parler de son week-end. Et si, par exemple, ton trip, c'est ça, bah, effectivement, tu ne vas pas te retrouver non plus dans ce mode de vie-là. Pourquoi? Parce que dans ce mode de vie-là, justement, l'intérêt, c'est d'avoir chaque journée de façon égale. Donc, chaque journée de façon égale, tu profites autant le lundi que le dimanche. Si le mardi, bah, tu as envie, je ne sais pas moi, de sortir le soir le mardi, bah, tu sors le soir le mardi, par exemple. Si tu as envie de te coucher, te décaler au niveau des horaires et te lever tous les matins, par exemple, à 11h et te coucher à 4h, tu peux le faire. Mais inversement, si tu as envie de te coucher à 22h et puis te lever tous les matins à 6h du matin dans ce mode de vie-là, tu peux aussi le faire. D'ailleurs, souvent, on a des réglages qui sont comme ça. Ça dépend des personnes. Des personnes qui sont plutôt du soir et des personnes qui sont plutôt du matin. Mais dans ce système-là, clairement, tu as chaque journée qui est égale. C'est pas comme quand les personnes qui sont dans le système général, le système global, voilà, on va dire le système général parce que moi, ce que je fais, c'est clairement un système qui est décalé. C'est une minorité, très forte minorité de personnes. Que quelques personnes, c'est extrêmement, extrêmement faible, on est bien d'accord. Et dans ce cas-là, on a vraiment chaque journée à la même importance. Chaque journée a la même importance. Et ce n'est pas justement péjoratif, c'est justement positif dans le sens où tu peux t'organiser tous les jours comme tu veux. Tous les jours, tu peux t'organiser comme tu veux. Pourquoi? Parce que tu as une activité en ligne. Pourquoi? Parce que tu as une liberté. Tu as tout ça. Ce n'est pas comme quand tu es, là encore, on reprend le système de base. Et dans le système de base, en fait, tu organises ta vie. Tu organises ta vie autour de ta structure de travail. Et tout est organisé autour de ça. Bah, tu le vois, comme par exemple, tu as un logement, bah, ton logement, tu le choisis en fonction où tu es, où tu vas avoir par exemple ta zone de travail. Et tu es obligé d'avoir ton logement là. Si demain, tu veux partir à 500 km, tu ne peux pas. Ou si demain, tu veux partir dans un autre pays, clairement, on est bien d'accord que tu ne peux pas. Donc ça, c'est... Et tout est organisé autour de ça. Pareil, ton week-end, finalement, tu l'organises par rapport à ta semaine. Tu l'organises par rapport à ta semaine. Donc, si par exemple, tu travailles le samedi, bah, le samedi soir, effectivement, ça va s'organiser parce que tu as travaillé le samedi. Ce que tu vas peut-être faire le week-end, tu vas le faire parce que tu as eu telle semaine. Donc, en fait, finalement, tout est organisé autour de ta structure, en fait, travail de semaine. Ta zone géographique, par exemple tes sorties, parce que finalement c'est tributaire un petit peu de ça, tes horaires, toutes ces choses-là. Quand tu es dans ce système-là, enfin ce système-là qui est très intéressant, donc là encore, comme je l'explique,
C'est une personne, faut voir la personnalité qu'on a, c'est pas adapté à tout le monde, mais le gros avantage, c'est que c'est toi qui organises tes journées. C'est pas autour de quelque chose, non, c'est toi qui actionne tes journées comme tu le souhaites. Donc en résumé, personnalité pas forcément adaptée à tout le monde. Par contre, un gros avantage, c'est ça, organisation des journées, vraiment comme on le souhaite. Chaque journée a la même importance. Il y a cette liberté-là, vraiment, d'organisation. Allez, si tu as aimé, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Je te laisse en premier lien dans la description, hein, des solutions que je propose qui sont liées à ce mode de vie-là, et également donc démarrer une activité en ligne. Et tout ça, ça sera en premier lien dans la description sur mon site Solutions Digitales. Sur ce, pour notre vidéo, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.